Coucou tout le monde, on est mardi. On est il est 8h46, on a déposé Mel à l'école et là on est au drive. C'est Samuel qui vient nous servir. D'accord. C'est déjà écrit le nom. Déjà. Bah ça va, je suis en avance. Hein. On drive normalement c'est à 9h. Donc je suis en avance. Mais bon. On est parti. Vu qu'on est parti direct de l'école, je crois que c'est elle, Samuel. Elle est une petite Samuel. Du coup, voilà, on commence une nouvelle journée. Matin, c'était dur le réveil. Le chaos. Mais elle s'est endormie, je crois, il était presque 1h au matin. Donc, elle a eu du mal à se lever. Camille, elle a dormi 4h, vers 4h, 4h30. Alors, elle a dormi quoi? 3 heures. Et moi j'ai dû dormir je sais même pas quelle heure j'ai dormi. C'est la mère 2h30, 3h du matin. C'est la mère à Otilia. Et où? Bah, la factrice. Non mais cherche pas, elle est descendue du camion, elle est partie. Ouais c'est elle. Je crois que je l'avais demandé à si elle travaille à Otilia, mais elle avait juste changé de secteur, un truc comme ça. Ouais, tu vois. Voilà les amis, du coup en rentrant on va faire le retour de course. Après je vais me faire un café, on va ranger les courses. Je crois que Samuel s'est suivi devant mais il n'a pas compris qu'il devait travailler. Et après on va faire du ménage. Là tu viens croire qu'on lui remplit son corps. Je crois que la matinée elle va passer très vite. Et c'est ça, on va dormir très tôt. Moi ouais, je pense. Oh. Il y a un jeune avec plein de caisses. C'est peut-être Samuel. Peut-être lui. C'est lui. Oui, il tire, c'est lui. Allez, on arrive. J'ai mal au dos. Non. Jure. Bon, allez. On a fini. Oh, mon décodeur. Ah, ça réveille dès le matin. Je dirais tonton. Tonton qui? Franck. Ouais. Ouais. On voit les sosies. Ah, ben là, il y a Lisa. Les petits sosies. Ouais, des sosies d'où ils jouent. Ouais. Des saucisses. Des saucisses. Des saucisses Okonaki. On peut faire des hot dogs. Ah, tu peux, hein. Ah, j'ai mal. Oh, maman, les tomates, il m'a mordu du ketchup. Il m'a retrouvé juste du ketchup. Oh, là, là. Ouais, en plus, je m'avais mes tomates, hein. Ah, aucun respect, hein. Ah, un Samuel. Il y a la police, monsieur. Tu t'arrêtes dans le rond-point, tu vas te faire engueuler. On va m'en arriver.
me suis mort. Pardon, monsieur l'agent. Ça va pas, non? Il m'a dit, tu dis ça à la police. C'est pas moi, les tomates, c'est le drive. Hein. Je me suis pas engueulée. C'est pas nous, c'est Samuel. Bah ouais, Samuel, il m'a pas mis les tomates. J'aime pas quoi la police me suit. Mais en même temps, c'est une ligne droite, tu veux qu'elle va où? Bah ben, on était dans un rond-point, ils pouvaient aller ailleurs. Non, ils veulent pas. J'irai où tu iras. On est fatigués, je crois. Ouais, il est trop tôt. 8h55. Il est trop tôt et au soir, il est trop tard. Ouais, c'est ça. Faut venir quand c'est la journée, mais le problème de la journée, c'est que on n'a pas le temps. On n'a pas le temps dans la journée. Ah, hier, j'aurais dû filmer avec Dada quand on a déplacé le mur. C'était super drôle. Mais c'est lui, il se fout de moi. C'est pourquoi mes tomates. Parce qu'il y avait... Bah, de toute façon, de base, c'est pas moi, les tomates. Wow. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle croit vraiment ça, tu le fous. Ah, c'est je suis une drague. Les tomates, c'était pas dans le filet. Bah ouais, non, bah en plus, c'est vrai que c'est aucun respect, ça. Elle croit, c'est... Mes tomates dans le filet, là. Bah ouais, après, il va avoir des bactéries. Je me dégoûte. Ouais, genre, c'est le filet qui protège. Aïe. Faut trop bien aller, là, mais... Ah, punaise. De toute façon, il faut faire attention à ce que tu fais sur YouTube parce qu'il y en a qui critiquent tout, mais vraiment tout. Je m'en bats les couilles. Non, mais il y a une femme, attention, hein, là, elle s'est fait allumer, tu sais pourquoi? Parce qu'elle n'a pas lavé ses légumes. Et de quoi je me mêle? Ah bon? C'est qui? Bah, je sais pas, ils sont en train de s'énerver les gens. Qui s'est fait klaxonner? Parce qu'elle n'a pas lavé ses légumes, de quoi je me mêle? Elle fait ce qu'elle veut, la femme. Et je crois que t'as pris la tomate à quelqu'un. Là, tu viens chercher sa tomate, il me fuit. Tu trouves ma tomate. Un truc comme ça, s'il me fait peur, je balance la tomate dans la tronche. Bah, le temps que tu vas chercher dans le coffre. Ouais, je sais même pas dans quel sac aller. Alors... Avec les surgelés, je crois. Tout en dessous. Tu m'as vraiment mordu. J'ai pas vu. Alors, j'ai vu une tomate. Mais vraiment. Ou du ketchup. Il va rester que les pépins. Il reste que le filet. Il était là, moi, le filet. Ouais, moi je l'avais. Il y avait trois tomates dedans. Donc je les ai remis là. T'es sûr que c'était un filet, c'était pas une charlotte? Non. Bon les amis, on rentre à la maison et je prends... Enfin, on range les courses parce que sinon ça va être très bon en voiture. Bah ouais. On regarde la babache. Non, Ça, ça me saoule, ça. Ça, déjà, ça me saoule. Je sais pas quoi me dire. Hein? On met des anciens œufs. C'est la vidéo. Hein? Mais les anciens œufs. Hein? Allez, on va manger. Des œufs. Les anciens œufs devant et on met les œufs derrière. T'as compris? Ouais. On met les œufs. Eh, c'est pas pour vous les coups? Si on sait pas comment on fait quoi? On rouvre, normalement il est lui. Non, toujours. On sait toujours pas comment on fait. Au bout d'un moment, il faut être responsable. Parfait du parc poulet. Non. Oh, bah, il y en a encore. Ah ouais, c'est pas ça. Ouais, bah ouais, t'as intérêt. Ouais, t'as plutôt intérêt, ouais. Non, non.
Ok, d'accord, le truc qui sert à rien. Tu peux le jeter. Les jambes. Mais il sert plus à rien. En plus, il reste une tranche de mon chien. Il est pas sec, non? Bah, si, il est sec. C'est trop chaud. Je suis pas sûre qu'il y a encore beau. Hein. Oui. Ah. On mangera un peu là parce que ça m'énerve, c'est bon. C'est quoi? C'est une pâte à la raclette. Et c'est tout beau. C'est bah beau. Ouais. Celle, elle a fait en même pas trop. Eh! C'est pour ça qu'elle. Pourquoi tu donnes ça? Tu me fais les bonbons autour de la tour. Allez. On met ça ailleurs. Alors. Bon commande. Hachez moelleux et qu'au plus x 4, 2. Non, ça c'est écrit là. Hachez moelleux et qu'au plus. C'est pas bon. Hachez moelleux, il y en a deux. Ça c'est 500 grammes. Ouais. Et bah, ils en ont compté qu'un. J'en ai acheté qu'un de base. Ils m'en ont donné deux et les steaks hachés, j'en avais pris deux l'autre 4 et ils m'en ont donné 16. Moi, j'ai eu des courses en plus, les amis. J'ai eu une barquette d'haché moelleux et j'ai eu 8 steaks hachés en plus. Du coup, que j'ai pas payé parce que. Ils se sont trompés. Ça va, ça vaut le coup. Hein. Ah, écoutez, on a gagné 8 steaks hachés et un haché moelleux. Je crois que c'est parce que c'est le matin, on va y retourner plus souvent le matin. Parce que vous avez pris, en fait, de la marque Eco Plus, j'avais pris. Par 4, par contre vous êtes. T'as bugué. Vous êtes bizarre. J'ai pris par 4 normalement Eco Plus, donc on avait pris 2 lots, donc 8. Là j'ai eu 2 lots de 8, c'était caché, du coup j'en ai gagné 8. On a compris, par contre. Alors là c'est le blog. Ils ont pas compris, c'est le blog. Ça va être mieux normalement, vous allez avoir la lumière malgré que le temps est bizarre. C'est super bien. Oh, je range des pâtes. Mais oh, mais regarde, regarde, c'est trop bien rangé là. Ouais, c'était juste pour ça. Ouais. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Du coup, je suis en train de gratter là, bah, c'est mieux. Mais j'ai trouvé le sac. Le mieux, il faut pas l'arrêter. Ça l'arrive, c'est mieux. Oui, il y a de la crème qui est sortie. Ça, c'est ce qui reste au frais. Et après, moi, t'as crème. Pour les pâtes. Oh, même dans l'armoire, là, il n'y a pas de place. J'aime pas ranger les armoires quand c'est comme ça que c'est bordel. Bon, on finit de ranger les courses et je vous reprends après. Bon les amis, on va ranger encore ce tiroir parce qu'à chaque fois ce tiroir c'est le bordel. Thank you.
Aïe, qu'est-ce que tu fais là? Aïe, qu'est-ce que tu fais là? Je suis devant vous du coup, mais je range. C'est pas la fête des coquettes, hein? Kenma, sors de là. Kenma, non. Bon, heureux, il est quelle heure? 11h19. Bientôt l'heure d'aller chercher Mel. Je vais m'occuper de mon linge. J'ai toutes les serviettes à plier. Là-bas, voir ce qui est sec. Et là, voir ce qui est sec. Parce que j'ai mis une bâtée en route et je vais en refaire une. Là, j'ai lavé les deux oreillers là-haut. Là, je suis en train de laver du linge. Après, je vais laver des serviettes, je pense. C'est bien. Ça commence à se vider quand même. Bon, ça, c'est des vieilles serviettes. Hein. C'est les serviettes que je laisse dans la cuisine, du coup, comme chiffon. Ouais, voilà. J'essaye d'appeler mon médecin, mais chaque fois, ça fait bip et c'est doux. Ça sonne beau. Alors, je me demande si elle a bien raccroché son téléphone. Parce que si elle a mal raccroché, ben, je vais pas pouvoir la joindre. Et je voulais appeler pour Alex, pour son certificat. Pour l'école et savoir si c'était normal qu'il dormait beaucoup et qu'il mangeait pas beaucoup. Bon là il a mangé un petit peu aujourd'hui quand même. Enfin après quand je me suis levée il était tôt hein, mais il s'était fait des frites avec du Virdox. Là il a mangé un petit filet de tube que j'ai acheté et là il a mangé de la mozza, enfin, la moitié du mozza. C'est toujours ça. Je suis sûre que je le repèse, il a perdu du poids. Ouais, on va t'y avoir assez comme ça après-midi, j'aimerais bien laver quand même. J'ai reçu un appel, tu crois que je t'ai rappelé? Maman. C'était con. C'était vraiment ça? Ouais, tu m'as appelé. Pourquoi tu m'appelles en même temps? Pour voir si c'était pas mon téléphone qui déconne. Hein. Non, c'est toi qui déconne. On va regarder tout ce qui est sec et après-midi, ouais, j'aimerais bien laver quand même. Non. Laver, puis peut-être voir pour faire un petit dessert. Ouais. Bon, après, ouais. Il va falloir faire les. Non. Les blancs. Ouais, les blancs et les. Il y a des machins là. Comment ça s'appelle? Ok. Je suis en vidéo, hein. Il y a encore de la mascarpone. Il y a encore de la. Les blancs d'œufs. Les pâtes. Feuilleté. Il y a encore des pâtes feuilletées. Il y a la levure. On a trop de trucs. Je crois qu'Alexis, l'opération, il est bien fou. Il parle des autres langues. Il parle chinois, il parle. Il parle comme Coco. Il imite Coco. Il aime bien l'accent à Coco. Alex! Fais l'accent à Coco! J'ai dit qu'avec l'opération, je crois que tu devenais tout. Hop,
ça, c'est à qui? C'est bon? Oui. Qu'est-ce que tu dis? Hop. Il y a encore plein de trucs de rouge. Ouais. Bah, c'est parce que là j'ai refait du linge, donc ça serait bien de pouvoir le prendre. Ça serait bien que tu portes ta bouche. Et après, je vais faire des serviettes. Et après, j'ai du linge à détacher. Quoi? Et du linge à enlever de la merde. Hein. Pourquoi tu parles fort? J'ai la dame. Ça va, il a dit la dame. On peut sortir les prénoms. Hein. Ouais, quand même. Un camionnette, c'est vraiment vrai. Ça, c'est safe. C'est vraiment pas une blague, cette fois. Ça, c'est bon. La couette, je vais la remonter, elle est propre. Je vais monter après le linge. Ça, 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 c'est pas rangé au fur et à mesure, c'est même pas la peine. Ça, c'est bon. Voilà, les deux nouvelles serviettes. Si, oui, rien. T'as fait des conneries, toi? Non. Ça consiste tout. Tu veux qu'on n'est pas, j'écoute. Il y a la caméra! Le moche. Ah, il m'a intelligent. Pas trop. T'as un appel? Attendez, j'ai un appel. J'ai une voix d'amour. Oh, pas du tout. Ah, bah, c'est un appel bizarre. Mais ça? On s'en fout. Non, c'était 171, je sais pas quoi. Hé, ça existe ça? Bah, écoute. J'en ai pas en France. Je sais pas c'est quoi. Si je dois pas prier, moi, c'est normal. Non, tu cries pas, tu fais ta bouche. Bon, on finit de regarder ce qui est sec, on range tout parce que. Et après, il sera l'heure d'aller chercher Méliana. Bon, heureux, on a récupéré Méliana. Du coup, je vais faire les frites pour ce midi. Non, 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 c'est pas fou. J'ai fini de mettre le son à fond. Bah, vas-y, c'est pas grave, je mettrai pas le son. Bah, pas à fond non plus, mais. C'est Alex qui l'a mis. Mais lui, la chaise. Thank you.
Vas-y. C'est là, viens là. C'est mieux. Vas-y. Non, loupé. C'est là, elle me stresse. T'arrives plus, on dirait. C'est là, tu me stresses. Ils étaient mieux avant. Ils étaient mieux. Ouais. Recoucou les amis, j'étais en train de chercher pour vous mettre le flash, mais non, j'ai plus de batterie, donc je peux pas vous mettre le flash. Hi friends. Il est 22h27, on va se coucher. Donc du coup je termine ce vlog, je pense qu'il était assez long, parce que je vous ai filmé une grosse partie de la journée quand même. Bon, je vous ai pas filmé tout le ménage, tous les bâtés que j'ai pendus, etc. Et après, bah, quand on a récupéré Mel à l'école... qu'est-ce qu'on a fait quand on... Bah, en fait, à 14h, quand j'ai été déposée Mel à l'école, j'étais en train de regarder le live d'Emeline. Du coup, je reste en live dans la voiture. On a déposé Mel à l'école. Elle avait sport cet après-midi. De là, je suis partie directement chez ma mère faire un tour. Et mon frère, il est venu dormir à la maison. Ça, où on est revenu vers... Je mets où ça? Je sais pas, mon cœur. On est revenu vers 15h... 30, je crois. Et puis, bah, mon frère, elle joue un peu avec Alex à l'ordinateur, tout ça. Camille, elle a fait une tarte au chocolat. Et elle a fait des mousses au chocolat aussi, mais les mousses, ce sera que pour demain. On a été récupérer Mel à l'école. Et puis après, on a fait beaucoup de parties de Uno. Camille vous a filmé un peu. Du coup, elle a préparé les burgers. Moi, du coup, j'ai été promener les filles une par une. Et après, du coup, j'ai parlé avec ma voisine. Ça fait beau. Regardez, et... ça suit avec mon pantalon. Aujourd'hui, du coup, elle a pu mettre son nouveau survêt pour aller au sport. Oui. Tiens, raconte vite fait ce que tu as fait au sport, parce qu'après, je vais couper, parce que j'ai plus de batterie. Au sport, on a commencé à courir. Bon, je commence à avoir mal ici, hein. Pardon. C'est parce que tu n'as pas l'habitude, chérie. Oui. Et il faut courir doucement et bien respirer. Et du coup, j'étais en train de faire comme ça, j'étais en train de m'essouffler. Quand c'est trop essoufflé ou quoi, il faut s'arrêter. Pas forcer, sinon tu vas remarquer. Donc j'étais en train de marcher avec mes copines. Après, j'ai commencé à recourir comme j'avais plus mal et que j'avais assez de force. Après, on a dû se faire un peu d'échauffement. Après, on s'est rangé à 6. Après, par contre, c'était bizarre, j'ai oublié de vous raconter, mais les filles, et avec moi, il n'y avait que des filles. À côté, il n'y avait que des garçons. Ah ben. Et du coup? Et du coup, en fait, le premier, c'était le kangourou. On passe les jambes croisées et on stoppe comme ça. On fait kangourou, quoi. Après, il y avait la grenouille. Doucement, doucement, doucement. Et en plus, je crois que j'ai gagné à ça. Après, elle a dû faire le serpent. Après, on a fait ça. Regarde. On dit que les enfants sont sales. Bref, ils ont fait des imitations d'animaux et tout, après les échauffements et tout. C'était bien. C'était bien le sport. Après, du coup, t'es revenu, t'as été à la récré. Oui. Et après, t'as travaillé. Quoi? T'as travaillé un peu après. Oui. Bon, du coup, sa poésie, elle la savait, mais trois quarts de la poésie. Elle savait pas complète, mais bon, c'est pas grave. La dictée, je sais pas du coup, parce que j'ai pas eu. J'adore le sport. Donc, je sais pas si elle a réussi ou pas. Je suis forte. Donc voilà, demain déjà, il n'y a pas l'école. Regardez, y a maman. Danse. Regarde maman, j'ai l'impression. Ah ouais. Jeudi matin, toute la matinée, ils vont à un spectacle, donc c'est trop bien. Et vendredi après-midi, normalement, ils font déguiser, jeux de société, donc regarde ça va. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire, non. Ça va. Comme ça. On dirait que c'est un vrai garçon. Donc voilà, du coup, les amis, donc ouais, puis là, bah, je voulais remonter. Là, j'ai été sortir les filles avec Mathieu, et puis on a rejoué au nom plusieurs fois. Non, je vais pas trop filmer. Et là, du coup, on s'en va se coucher parce que honnêtement, on n'a pas dormi beaucoup cette nuit. Ni moi, ni Camille, ni Mel. Moi, je vous ai dit, j'ai dormi de... C'est pour ça que j'étais essoufflée. 3h, 3h30 à 7h.
Camille, elle a dormi de 4h30 à 7h. Dormir avec les ours. Non. Si. Et Mel, elle a dû dormir à 1h au matin jusqu'à 7h. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, on va se coucher. Voilà, il est 22h31. C'est très bien. En plus, demain, on peut dormir. Ça va nous faire trop du bien. Bon, je vous fais des gros bisous. J'espère que ce long vlog vous aura plu. Oui, je sais, chérie. Et je vous dis à demain pour le prochain vlog parce que je n'ai plus de batterie. Au revoir. Bisous. Ah non, je peux pas te filmer. Bisous. À la traite, c'est mettre en pyjama.